Hello tout le monde, coucou. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de jeu. Le Sophie Tarot. C'est un jeu que j'ai découvert sur une autre chaîne. Alors je ne me rappelle plus le nom de l'autre chaîne, je suis désolée. Alors évidemment c'est un tarot qui n'est pas en français. Alors je vais vous lire ce qu'il y a au dos de la boîte puisque... Merci Google Trad. La Google Traduction m'a permis de décrypter au moins l'arrière de la boîte pour vous le lire. Donc, la quête de la vérité mystique est commune au tarot et au soufisme. Le soufisme, appelé le chemin du cœur, consiste à polir le miroir du cœur pour refléter le divin. De même, le tarot consiste à découvrir les secrets cachés derrière les arcanes. Ce jeu magnifiquement illustré réenvisage de manière créative les cartes à travers une lentille soufie et partage la puissance de ses anciens enseignements et techniques de guérison. Alors c'est un jeu qui ne coûte pas très cher, je crois qu'à l'époque j'avais dû le payer dans les 20 euros. Par contre là j'ai l'impression que... pourtant je l'avais acheté neuf et là je vois qu'il est marqué à 30 dollars. Donc voilà, mais bon, moi je sais que j'avais payé 20 euros, parce que j'avais marqué à l'intérieur de la boîte le prix que je l'avais payé à l'époque. Et je me suis rendu compte eh bien, que ce n'est pas un tarot que je vous ai montré. Donc je l'ai reclassé dans l'intérieur de la boîte. Je l'ai reclassé dans l'ordre. Donc il y a un petit guidebook, mais bon, je ne m'en suis pas servi, puisque comme c'est pas en français... Et puis, alors les cartes, j'ai beaucoup aimé les graphismes de ce jeu, c'est pour ça que je l'avais acheté. Le dos de la carte, je le trouve très sympa, en plus il est dans les bleus, je trouve qu'il va bien avec mon tapis. Et puis je vais vous les montrer, donc je vais vous montrer les cartes une à une. Et puis je vais vous mettre un petit fond musical hein, pour que vous puissiez profiter, voilà, un peu mieux du graphisme. Alors je vais, voilà, un peu mieux, comme ça vous verrez un peu mieux les cartes. Et puis je vous laisse en musique pour les découvrir. Et voilà, et je vous dis à tout à l'heure.
Voilà, donc vous avez vu toutes les cartes, je vous ai parlé toutes les cartes. Alors au niveau de la qualité, bah écoutez, elles sont assez rigides. Alors elles sont mates, c'est un carton hein, par contre, voilà c'est un peu carton, donc il faudra éviter de faire tomber de l'eau dessus parce qu'elles ne sont pas du tout plastifiées. Au niveau des tranches, les tranches normalement sont neutres, c'est moi qui les ai fait bleues parce que je trouvais que ça allait très bien avec le dos du jeu. Mais normalement elles sont blanches, elles sont pas bleues. Ensuite, vous avez dû voir qu'au niveau des suites, alors je vais vous trouver une suite. Au niveau des suites, on n'a pas de cavalier ou de chevalier. On a la fille qui remplace le valet et on a le fils qui représente donc le cavalier.
Et puis sur chaque carte, de roi, je ne sais pas si vous avez fait attention, le roi est encadré dans un tableau, comme dans un tableau. Alors peut-être que c'est marqué le pourquoi du comment dans le livre, mais comme c'est tout en anglais, je ne l'ai pas cherché à le traduire. Et bah, j'aurais préféré autant qu'il n'y ait pas ce cadre. Alors il doit y avoir une raison sûrement à ce cadre. Mais je ne peux pas vous la donner puisque je n'ai pas lu le livre. Mais toujours est-il que j'aime beaucoup les illustrations de ce jeu, je ne sais pas vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, en attendant, bah, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.